nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue à vous tous à cette messe de la Sainte Cène. Et nous sommes réunis par le Christ lui-même qui veut nous faire participer à son repas de vie. Ce repas est important pour nous, pour ceux qui croient en lui, pour ceux qui veulent rester dans la fidélité envers sa parole et envers sa propre personne. Ce repas est important aussi pour nous nourrir jusqu'à la fin de notre vie, avant justement de participer à un autre repas qui celui-ci sera éternel avec le Seigneur lui-même. Nous reconnaissons que nous sommes des pécheurs et pourtant le Seigneur justement nous considère comme ses amis. Alors demandons-lui de nous transformer, de nous purifier afin de l'être vraiment. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, appelé tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu le Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Nous allons rendre gloire au Seigneur et pendant ce chant, nous allons entendre les cloches sonner. Tu nous appelles, Dieu notre Père, à célébrer ce soir la très sainte scène où ton Fils unique, avant de se livrer lui-même à la mort, a voulu remettre à son Église le sacrifice nouveau de l'Alliance éternelle.
fait que nous recevions de ce repas, qui est le sacrement de son amour, la charité et la vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron : ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il marquera pour vous le commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël. Le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre des personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera une bête sans défaut, un mâle de l'année. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang que l'on mettra sur les deux montants et sur le linteau des maisons où on le mangera. On mangera sa chair cette nuit-là. On la mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous mangerez ainsi la ceinture aux reins, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte. C'est la Pâque du Seigneur. Je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là. Je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel, d'âge en âge, vous la fêterez. Parole du Seigneur. Communion au sang du Christ.
Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur? Moi, dont tu brises les chaînes. La de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, moi, Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. » Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à qu'il vienne. Parole du Seigneur. Un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qui se noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors, il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit, « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit, « Tu ne me laveras pas les pieds, non, jamais. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. »
Jésus lui dit, quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. Il savait bien qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait, vous n'êtes pas tous purs. Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Dans les trois textes qu'il vient d'entendre, ils concernent repas. Ainsi, dans un passage tiré du livre de l'Exode, eh bien, mon Dieu dit qui à toute la communauté d'Israël, qui le mois dans lequel je t'y ai trouvé, ce sera le premier de tous les mois. Et l'époque commence, ce mois-là, c'est le commencement de l'année. Comme si c'était un temps nouveau que les fils d'Israël pouvaient vivre. C'est un nouveau commencement. Et alors, il vient de Jésus, donc, qui le dit ce mois-là, je viens prendre un agneau par famille, et si et dans 10 tigits du monde dans sa famille-là, je suis capable, et partage l'agneau-là avec le bande voisin. Donc c'est un agneau sans défaut, un mâle, et donc je vous prends pour cuillir, et d'abord je baptise l'intour et puis je démonte la case, c'est-à-dire ça trois bon c'est du bois qui entoure la porte, et je vous mets baptise ça avec du sang de l'agneau. Je peux manger de bout avec du pain sans levain et avec les herbes amères. C'est-à-dire, donc, c'est un repas qu'ils étaient pour prendre debout et déjà, donc, habillé, prêt pour prendre le chemin, pour partir. Et c'est ainsi, donc, que ce repas-là, ce sera donc le repas qui vous permet de donc sortir de l'Égypte, parce que donc l'ange du Seigneur pour passer, et quand il vous trouve dissant la porte au-dessus de la porte des maisons que les fils d'Israël peuvent habiter, donc c'est pour passer, et mais pour tous les premiers et les aînés de chaque famille égyptienne de trouver l'amour. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d'Égypte. Et donc ce jour-là, ce sera pour vous un mémorial. Vous en ferez
pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est une loi perpétuelle, d'âge en âge, vous la fêterez. C'est ainsi donc jusqu'à Jésus. Nous pouvons trouver que les fils d'Israël, pour faire revivre cet événement-là d'une manière perpétuelle, chaque année, je pourrais revivre. Pas d'une manière comme si un souvenir, comme si nous pouvions fêter nous l'anniversaire. Non. Si c'est un mémorial pour eux, ça veut dire qu'ils ont des enfants qui finissent nés bien longtemps après, finissent des centaines d'années après. Ça va nos enfants là, ça va nos enfants qui ne finissent pas prendre part dans l'événement de la sortie d'Égypte. Ça veut dire qu'ils, lorsqu'ils ont pour fêter ça, ça veut dire eux aussi, eux comme si ils étaient présents ce jour-là, dans cet événement-là, ils peuvent participer dans cet événement-là. C'est ça, le mémorial. De même aussi, nous trouvons dans l'Évangile. Ce sera autour d'un repas. Saint Jean pas décrit nous ce repas-là. Saint Paul, pour donner une description, le repas que Jésus finit faire. C'est que Saint Paul lui-même finit recevoir ça des autres, de la tradition. Et voilà qu'il peut transmettre ça aux communautés qu'il finit fonder. Et là, précisément, c'est aux chrétiens de la ville de Corinthe. Il vous dit la nuit que tu finis livrer Jésus, Jésus finit prendre du pain, après il finit rendre grâce, il peut casser du pain là, il peut dire Jésus, tandis que les apôtres, sa même molécule qui finit donner pour eux, faites cela en mémoire de moi. Là encore, il est question de mémoire. Tu vas dire, faites ceci en souvenir de moi. Ils nous disent, faites cela en mémoire de moi. C'est pourquoi donc, à chaque fois qu'ils nous célébraient la messe, chaque fois qu'ils nous célébraient l'Eucharistie, ça veut dire, ce que Jésus a fait dans cette époque-là, les rendre présents, à jour 10 jours, avec nous, et lui fait nous participer dans ce repas-là. De même aussi, avec la coupe de vin, les poudrières, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Donc c'est un repas qui va donc être perpétuel. Parce que chaque fois donc qu'il nous partage le repas du Seigneur, c'est ce que Jésus finit faire, finit réaliser le soir de la Sainte Cène. C'est ainsi donc que Saint Jean, rappelle nous une parole que Jésus finit faire ou un geste que Jésus finit faire pendant ce repas-là. À la place du repas, il présente nous un autre événement, une action que Jésus finit faire. Qu'il est pour faire, il y a au cours du repas, alors que le diable finit déjà rentre dans les caisses Judas, fils de Simon l'Iscariote, qu'il finit prendre l'intention décidée pour livrer Jésus, voilà donc qui Jésus, tout en sachant donc qui il est et comment donc il peut sur le point de réaliser, pour accomplir et réaliser sa mission, il peut quitter ce linge et il peut laver les pieds sur les apôtres. Par ce geste de lavant des pieds, c'est que Jésus donc voulait donner comme testament à ses apôtres qu'à la fin de l'évangile, il vous dire
Est-ce que je comprends ce que vous me faites pour je te appelle moi maître et seigneur? Et j'ai une raison parce que je suis maître et seigneur. Si moi, le maître et seigneur, m'a fait laver de les pieds, je te suis besoin de laver de les pieds et les uns les autres. C'est un exemple qui m'a fait de nous pour que je te suis fait pareil comme moi-même m'a fait faire. À travers ce geste, qui Jésus donc voulait faire nous et retenir? Ce qu'il a envie de nous retenir, c'est que ce geste est un geste de service. Il va donc, il veut servir, il continue à servir jusqu'à la fin de sa vie. Et il peut demander aussi servir. Gagne ça l'esprit de service-là. Parce que le chrétien, s'il n'est pas servi, il n'est pas un chrétien. C'est l'exigence que Jésus demande maintenant aux disciples. Et qui dit service, ça veut dire nous sommes contents. Nous ne sommes pas capables de rendre service si nous ne sommes pas contents. Nous sommes capables de rendre service, mais qui a fait le bien à nous faire? Mais si nous les sommes contents de pour rendre service là, avec vraiment donc librement, en toute liberté, sans qu'ils nous demandent quoi que ce soit en retour, et nous peut faire lier à la manière du Christ. Ça veut dire ce que Jésus voulait faire nous comprendre. Qui déjà les fins donne ce man disciple un commandement. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimé. Et le geste qu'il accomplit pendant le repas, c'est aussi, rappelle-nous, ce commandement d'amour. Au cœur de la foi chrétienne, il y a ce commandement d'amour. Parce que la foi chrétienne est fondé sur l'amour. Ce que le Christ finit de faire pour nous et parmi nous, c'est grâce à son amour. C'est parce que Dieu nous aime qu'il lui fit envoyer Jésus. C'est parce que Jésus nous aime qu'il lui fit nous décider aussi pour venir parmi nous et réalise ce projet de salut, d'une nouvelle alliance. Il est question de l'alliance nouvelle justement dans la première lecture. Parce que comme on dit, libérer ce peuple, délivrer ce peuple, c'est pour qu'il rentre dans une nouvelle alliance, qu'il pour conclure justement au mont Sinaï, quand donc et le peuple de Dieu pour dire, voilà, nous acceptons la parole de Dieu, d'accepter pour rentrer dans son alliance, l'alliance qu'il lui propose, nous pour obéir à lui, désormais. De même aussi, dans l'Évangile, Jésus dit à nous, pas dans l'Évangile, dans ce que saint Paul rapportait, dans du repas du Seigneur, il peut dire ceci: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Et chaque fois que nous venons célébrer l'Eucharistie, nous renouveler, nous venons célébrer l'alliance qui bon Dieu voulait faire avec nous. Puis Jésus voulait faire avec nous. Et ce repas-là, c'est toujours comme si c'est nous dans les temps nouveaux, un monde nouveau, et jusqu'à donc que Jésus retourne. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et nous aussi, pareillement, chaque fois que nous prenons part dans l'Eucharistie, et l'Eucharistie, en passant, j'ai toujours peut-être entendre parler de Carlo Acutis, ce jeune homme
ce jeune de 15 ou 16 ans, un peu plus, qui est mort d'une leucémie foudroyante. Et l'Eucharistie, c'était justement c'est comme si c'était le repas du jour. Ouais. Comment nous dire dans le Notre Père, donne-nous chaque jour notre pain. Eh bien, pour Carlo, l'Eucharistie, c'était ce repas de chaque jour. Que l'Église, justement, puise, laisse-lui bien instruire par Dieu, par la parole qui Jésus donnait, et aussi, donc, l'Église. Et Révine prend sur la force en Jésus. Et débrouillez-nous, l'Eucharistie, c'est l'autoroute du Seigneur. Un semaine crasé, un semaine qui est dans côté du besoin, grimper, descendre, monter, redescendre. Dites-nous, l'Eucharistie, c'est l'autoroute du Seigneur. Nous comprenons donc qu'il veut dire que l'Eucharistie pour nous, si un chrétien baptisé prend compte de l'Eucharistie, alors ça peut amener vers le Dieu vivant, vers le Seigneur, le Maître et Seigneur. Alors nous trouvons aussi comment donc le Fils d'Israël, la communauté d'Israël, finit toujours prêt, quand l'épisode vient manger, prêt pour partir. Prêt pour traverser ce long désert, ce désert-là, pendant moins 40 années, je ne passe dans le désert. Et je fais une rente, donc je prends ce départ-là. Nous aussi, pareillement, chaque fois qu'il nous prend l'Eucharistie, c'est comme si nous imaginions que nous aussi, c'est un nouveau départ, c'est un départ qu'il nous peut prendre et qu'on ne peut continuer. Et qui pour aider nous dans nous traverser de tout le désert, pour qu'il soit capable un jour donc arrive à bon port. Pour dire combien est important et central dans nous la vie l'Eucharistie. Alors nous demande le Seigneur justement que l'Eucharistie vienne pour nous le must de nous la vie. C'est l'essentiel de notre vie. Parce que déjà, dans l'Eucharistie, nous partageons le ciel avec Jésus. Et donc, cela va nous amener, en prenant le chemin justement, de l'Eucharistie, en participant à l'Eucharistie, nous capables donc arriver à bon port. Il est dit dans l'Évangile que au cours du repas, donc Jésus va quitter son vêtement et va laver les pieds de ses disciples. Je demande aux personnes qui ont été désignées de venir et s'asseoir sur la première marche.
Seigneur nous commande justement de nous soucier des autres et de prier pour eux. Présentons au Seigneur nos intentions de prière. Veuillez vous mettre debout. L'Église, le pape François, les évêques, prêtres, diacres et les séminaristes qui se préparent au sacerdoce, aide-les à renouveler leur oui à chaque instant, qu'ils puissent avoir courage et force dans le mystère pascal et qu'ils soient des missionnaires de la bonne nouvelle. Ensemble, nous te prions. Chrétiens de toutes les églises qui célèbrent la Sainte Cène du Seigneur, que les divisions et les rivalités entre nous disparaissent afin que nous soyons un signe de l'unité voulue par Dieu et que nous nous engagions pour la paix et le bien de l'humanité. Ensemble, nous te prions. Entends, Seigneur, la prière de ton
paroissiale, que nous laissions résonner dans notre prière l'appel du Seigneur, afin d'y répondre avec générosité et humilité. Que ton exemple du lavement des pieds nous fortifie à chaque instant dans notre tâche. Ensemble, nous te prions. Accorde-nous, Seigneur, de ne jamais oublier ce que tu as réalisé au milieu de tes disciples. Donne-nous de nous rappeler toujours ta parole quand tu nous dis de nous aimer les uns les autres comme tu nous as aimés. Donne-nous de vivre le plus grand amour, un amour désintéressé, un amour toujours vivant. Nous te le demandons à toi qui vis et règne dans les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la vigne et du travail des hommes,
Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, accorde-nous la grâce de vraiment participer à cette Eucharistie, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit par Jésus ton Fils, qui vit et règne dans les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rends grâce, Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père, à très saint Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est lui le prêtre éternel et véritable qui apprit à ses disciples comment perpétuer son sacrifice. Il s'est offert à toi en victime pour notre salut. Il nous a prescrit d'accomplir après lui cette offrande pour célébrer son mémorial. Quand nous mangeons sa chair immolée pour nous, nous sommes fortifiés. Quand nous buvons le sang qu'il a versé pour nous, nous sommes purifiés. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie cette offrande en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, c'est-à-dire aujourd'hui, il prit le pain, il rend grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Corps du Christ livré. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous. Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Maurice et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous ceux qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Que nous tous enfin nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantons ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Parle avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père et tout puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis au Christ qui veut nous conduire vers son Père et notre Père, avec lui en nous laissant accompagner par l'Esprit, éclairés par l'Esprit, animés par l'Esprit, nous pourrons chanter ensemble. Délivre-nous tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre monde. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et le retour dans la gloire de Jésus-Christ, notre Sauveur. Que si sa gloire t'appartienne, le règne, la puissance.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à des apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la pas à pas vers l'unité parfaite, toi qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, la charité du Christ de lui un signe de paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde.
Prions. Nous avons repris des forces, Dieu Tout-Puissant, en participant ce soir à la scène de ton Fils. Accorde-nous d'être un jour rassasiés à la table de son royaume éternel, lui qui vit et règne dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Vous allez passer un temps, comme il est souhaité par certaines personnes, de rester en adoration devant le Saint-Sacrement. D'abord, nous allons donc te offrir l'encens, et puis en même temps, et puis nous allons rester un temps en silence, et puis prendre Tantum Ego. C'est un chant de louange. Thank you.
chemin.